Et yo les tipotes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement parce que je suis monté top in monde. Donc c'est la première fois dans mon top in monde les gars, 951 monde les gars. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on va aller tout en bas du classement. Hop là. Et là, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau de voir ça? On est... Oh les gars, on a même notre trophée que Light Pollux MDR. Bon les gars, on a le même nombre de trophées que Light Pollux, c'est incroyable. Bon, lui, il est genre deux places au-dessus de moi, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, vas-y. On a un même nombre de trophées que Light Pollux, les gars, c'est incroyable. Et on va regarder dans le top français, évidemment, on est top 40. Je dis pas de la D. On va regarder ça tout de suite. On est top 43, les gars. Top 43 français, donc c'est énorme pour moi. On va laisser regarder les deux gameplays, tout simplement. On va regarder les gameplays. Donc, voilà, gros profil, les gars, gros profil. Je vais vous montrer cette game et ainsi que cette game. Voilà. Simplement, donc les gars, on va commencer par le début. Donc on va visionner elle. Donc les gars, dites-vous que là, mettez-vous en place. Là, j'étais à ma game avant le top 1000 monde, ok? Donc là, j'étais genre top 1100 monde à peu près. Donc là, je gagnais, j'étais top 500 monde. Donc j'étais à mon pote Hulk, si tu passes par là. Salut. Voilà. Donc Molot first play. Donc là, on va accélérer par deux parce que cette game, je vais passer vite parce que. Genre au début elle est pas très intéressante. Bon là j'ai fait une erreur déjà. Bon voilà, on va prendre très peu de dommages. Ok, nickel, ça se fait défendre perfection. On passe en x4 parce que ça on s'en fout un peu. On va revenir dès qu'il reste 30 secondes bien. Voilà, donc là, ce que je me suis dit, tiens, c'est je gèle, une tour chacun, voilà quoi, ça on est à égalité. Donc là, bon voilà, défend tranquille. On va bien. Excusez-moi un peu. Ok, bah donc là le PK, j'aurais pas dû mettre là une erreur déjà n'a pas. Donc là j'ai gel pour mettre un masse de dégâts. Voilà, donc là il a mis un peu toute la daronne, j'ai mis un beau gel et les gars, regardez, c'est là, c'est le moment où ça va se corser. Donc là il reste 10 secondes. Donc là j'ai fait une erreur dans la game. Ok, donc là tranquille, bon là voilà, je vais gel, le gel un peu tard, mais c'est pas grave, on va prendre de bons dommages. Là avec Eric qui met deux bons coups. Donc là il va mettre des barbares au pont, j'ai pas compris son play là. Ok, donc là il va zap. Le, allez là, il va mettre son mineur. Ça c'était très mal joué son mineur. Je vais pas vous mentir les gars, son mineur c'était très mal joué. On a pu prendre l'aggro avec l'électro sorcier. Un petit well played d'ailleurs. Ok, donc là le sorcier, sorcier électrique qui vont gérer. Là on va repartir en Valkyrie Cynthia. Il a joué ses flèches, t'es en mode oh le con. Et là les gars, je crois que c'est là. Non c'est pas là, c'est pas là. On a raté notre gel en plus. Ça c'était pas ouf. On a pu un meilleur gel. Les sorciers qui ratent bien sur le tour du roi, mais ça on s'en fout, il s'en fout un peu. Je vais plus viser là, deux couronnes là, pas trois couronnes. Bref. Ok, joue un molosse. Nous on va partir en PK, il me semble. Ah non, il va partir en sorcier, j'ai préféré la jouer défensive, pourquoi pas. Hop, nickel. Ça c'est bon, et là regardez, les gars, c'est là l'erreur que la game, c'est que là j'ai pas gel. Les gars, j'aurais gel, là va tirer après un cours de plus et j'aurais win. Et malheureusement là j'ai gel beaucoup trop tard. J'ai voulu mettre un électro, j'ai bien pré-shoot. Mais malheureusement j'ai mal joué là, j'aurais pas dû mettre le sorcier. Le sorcier c'était mal joué, j'aurais dû cimetière. Il a bien joué là. Il a mis ses barbares et là malheureusement il est temps de recycle ses flèches. J'ai malheureusement perdu sur ça. Et là les gars, je peux vous dire j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'ai pris que mon 26 mais j'étais pas bien. Et là je vais vous montrer pourquoi, parce qu'après je me suis pris un 3-1 par lui qui avait plutôt très bon profil. Mais j'étais en gros tilt les gars, pour vous dire gros tilt. Ouais, j'ai un peu paniqué. Ensuite, sur Mickey les gars, mon pote il m'avait dit que c'était un très bon joueur. Donc on va regarder la game en entière tout simplement. Donc c'était censé être un bon joueur, donc moi je me suis préparé au pire les gars. Donc regardez déjà ce qu'il va faire first play. Il y a une armée squelette derrière first play, voilà, ça c'est ça au pire. Déjà quand je vous dis armée squelette au pont, armée squelette fond de map les gars, c'est pas bien mec, c'est vraiment pas bien. Ça peut être déjà en cimetière no skill, j'ai pas un très bon match-up même si je pouvais en avoir, j'ai pas un très bon match-up. Je vous dis je pense, je vais la lose et là gros tilt et je vais perdre 200 trophées, je vais redescendre je crois, top 10 000 monde etc. Là, je me suis fait des histoires. Et ok, au bout de 30 secondes, armée squelette, et là regardez ce qu'il y a à faire. Ok, donc là mec, j'avais l'impression d'être en arène 2, voilà. Donc là je vais devoir gel pour pas prendre de coups de ballon parce que sinon ça aurait pu être dramatique. Et souvenez-vous les gars ce gel. Souvenez-vous de ce gel les gars. Il est important. Il est important. Il est important, il est important ce gel, il est important. Ok, le petit électro-sorcier qui va prendre un coup, ça fait plaisir.
Donc là il va jouer squelette géant au fond de map tranquillement. Donc là on voit qu'il a un petit avantage d'élixir de 1,5. Il va jouer squelette géant fond de map. Donc ce que je vais faire, moi c'est PK, mais pas fond de map, j'ai une PK ici là, devant la tour du roi. Pour qu'ils arrivent à peu près au même niveau. Et là regardez ce qu'il va faire. Observez son niveau de jeu les gars. Voilà. Résumé de ce qu'il a fait à peu près toute la game les gars, honnêtement. Genre on va prendre un coup de ballon, c'est pas dramatique. La base qui a bien aidé par contre la base hein. Et là regardez. Regardez les gars. Il a déjà raté son extra sorcier les gars. Donc là ça confirmait juste que j'étais à 2000 trophées. Et regardez ce que je vais faire. Hop là les gars, le pré-shoot instant. Et là bon là évidemment je BM hein, évidemment là là le pré-shoot en mesquelles, je peux vous dire qu'il était bien. Je me suis mis très bien. Là je suis avec x2, je peux partir. Je savais pas qu'il avait un sorcier de base. Voilà, ok, bon sorcier, on va aller gel tout ça. Il va mettre une snowball. Ouais, on va quand même de très bons dommages hein, sur la tour. Et là, regardez. Et là, ça va se compliquer. Je savais qu'il a les ballons. Mais j'étais pas sûr, donc du coup, j'ai préféré attendre un petit peu. On va sorcier. Zap. Plus électro sorcier. Voilà, pour prendre zéro coup de ballon. Hein. On sécurise. Et là, les gars, je vais repartir en PK. Le PK il a fait me coûter la game. Honnêtement les gars, le PK a fait me coûter la game. J'ai plus de zap. Bon les bases qui ont pas mal fait le taf hein. Mais les gars regardez. Et là ça va être la merde. Il a mis un ballon. J'ai paniqué. Honnêtement j'ai paniqué. J'ai mis un gel. J'ai mis l'électro. Ouais là c'était la merde hein. J'ai mis le zap les gars, panique. Panique mode quoi. J'ai mis les bats. Et les gars regardez la chatte que j'ai eue. Et non. Une demi-seconde plus tard, mec, il me prenait la tour. Bon, évidemment, les gars, la petite emote. En plus 33 sur ça, ça fait beaucoup de gains, je peux vous dire. Et les gars, bon, voilà. On va regarder le plus beau profil, évidemment, pour la fin. Donc, très gros profil. Que des badges tournois. 19-20 victoires. 10-100. Rien à dire. Très bon joueur qui a sûrement en dérush, hein, évidemment. Et on va aller regarder cette game. Elle est très intéressante, les gars. Il a fait pas mal d'erreurs, mais c'est intéressant. Donc moi je vais vous laisser regarder ça, voilà tout simplement. J'ai mes mutes et je vous laisse observer parce que là ça me sert à rien. Et on se retrouve en fin de vidéo les gars, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise.
Ok, voilà. Donc là, on est en fin de game, les gars. Pour tous ceux qui sont restés là, la petite surprise, c'est qu'aux 400 abonnés, les gars, je ferai tout simplement gagner une carte cadeau Google Play, les gars, ou Apple Store, comme vous l'avez au choix, ou PayPal, hein, c'est vraiment où il va. Donc c'est 3 passes. Voilà. Donc pour participer, les gars, vous mettez en commentaire. Top 1000 monde. Top 1000 monde, voilà. Top 1000 monde. Concours, voilà, vous mettez top 1000 monde concours, concours les gars. Donc je vais bien évidemment l'écrire en grand sur sur, putain, ça s'appelle comment là, hop, tac, sur l'écran, là, simplement, tac. Hop. Et voilà les gars, donc vous devez écrire tout simplement ça les gars en commentaire. Top 1000 monde, top 1000 monde, voilà simplement. On va juste le mettre en noir pour que vous le voyez bien. Hop, tac, tac, hop, et voilà les gars, top 1000 monde concours les gars, vous mettez ça en commentaire. Et puis voilà, ça sera validé. Et voilà, les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ciao!